que sans quoi, pas de façon, je suis un garçon. Tout seul dans mon placard, je fermais le voir. À la vie, les regards, je défie le hasard. Je me souviens des candidats, je suis caméléon. Allô Eva, c'est moi. Eva, Eva, si tu décroches s'il te plaît. Non, d'ailleurs, tu décroches. Eva, bon, d'accord, t'es dans le coltard. Eva, Eva, sans contrefaçon, je suis un garçon. Je sais que tu es là, Eva. Tu peux faire un effort pour décrocher, s'il te plaît. Allô? Ah, quand même, t'es seule? Je crois pas. Attends, je regarde. Où est-ce qu'il est passé? Alain? Julien? Comment il s'appelle déjà? Minou? J'espère qu'il sort pas de prison, celui-là, au moins. Si tu crois qu'on a eu le temps de parler, de toute façon, il s'est barré. T'es où? J'ai pris la tangente, il a même pas eu le temps de me demander mon signe astral. T'as bien fait le coup des croissants. C'était bien, moi. Une brave fille, bonne travailleuse. T'es gonflé. Hier soir, c'était l'homme de ta vie. Dis donc, t'as vu le morceau? Il fallait bien que je me motive. En tout cas, ils étaient tous verts au resto quand t'es parti avec. C'est vrai, j'adore. Elles savent pas y faire, ces pauvres tapettes, elles sont trop sur les nerfs. Elles arrivent avec leurs fusils, mais elles n'ont pas de cartouches. Bon, allez, laisse-moi finir ma nuit, on se voit ce soir au petit-déj. T'es gonflé, c'est aujourd'hui que je suis censé décrocher le contrat de ma vie avec le patron de la Banque de l'Europe, tu t'en souviens pas? Si, j'ai pensé qu'à ça, c'est pour ça que j'ai mal dormi. Attends, attends, tu peux être fier de moi, c'est plus facile d'attirer l'attention du pape que la sienne. Ah. Et tu vas l'embarquer comme le mec d'hier soir. C'est sûr que s'il lui ressemblait, ça m'aiderait, mais là, c'est pas vraiment le même genre.